Commençons par le plus appétissant, le résultat final. Des rôtis, des paupiettes, des brochettes aussi. Un bel étal de boucherie préparé en coulisses par des jeunes de 17 ans en moyenne. Ils ont d'abord reçu la matière première pour dégrossir les pièces de bœuf, de veau et d'agneau. Certains perpétuent une tradition familiale, d'autres se sont pris de passion pour la viande de qualité. J'aime bien travailler une bonne viande, un animal qui a été bien élevé dans de bonnes conditions et préparer des super bêtes, c'est super quoi, c'est le top. Il y a mon grand-père, ma marraine, mon oncle qui avait une boucherie sur Lyon. Depuis toute petite, j'allais travailler là-bas en fait pendant les vacances parce que j'aimais bien et puis du coup, c'est devenu mon métier et puis j'ai trouvé ma voie et je suis bien contente. Comme eux, 10 000 jeunes en France suivent un cursus pour devenir artisan boucher, un métier qui recrute et qui paye bien. 2 000 euros brut en début de carrière avec un bac pro en poche. En CFA et chez leur patron, ils apprennent l'art de préparer les viandes. Tout va compter pendant les 6 heures d'épreuve. Il faut qu'ils aient toutes les qualités justement, c'est-à-dire la qualité dans le désossage, dans l'épluchage, dans l'hygiène, dans l'organisation. On est en finale MAF, donc la finale MAF c'est quand même le haut du panier. Ce concours fête cette année ses 40 ans. Il permet de mettre en avant un métier qui pâtit encore de quelques a priori. Quand on voyait le boucher avant, qui était plein de sang, qui n'avait pas une belle image, qui était assez costaud. Aujourd'hui, on a des métiers artistiques, il y a de la création, il y a de la recherche. Message reçu par les candidates, notamment sur les deux jeunes filles présentes. Les deux ont fini sur le podium.